It's all about humanity. このサガがアテナに代わり大地を支配するのだ。Yo les Wescros, je pense que vous avez compris le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Evil Saga, qu'en est-il? Est-ce que le personnage est encore joué aujourd'hui ou pas sur le jeu Sensei Awakening? On profite du fait qu'il n'y a aucune mise à jour vraiment très intéressante jusqu'à l'arrivée de Persephone qui devrait arriver dans 2 semaines pour pouvoir tester 2-3 petites compos, ressortir des anciens personnages qui sont totalement dans le placard, qui n'ont plus de cosmo, qui servent presque plus à rien à part pour votre Star Wheel. En termes de compétences, mon Evil Saga est en 4, 5, 5 et 5. Mon niveau du Star Wheel physique est au niveau 44, donc du coup il tape quand même relativement assez fort par rapport au niveau de ma box. Il va bientôt passer en full 5, il manque juste un petit doublon à aller chercher dans le champ d'honneur, histoire de faire un maximum de dégâts. Evil Saga, c'est très simple comme personnage, vous avez 3 passifs et un coup blanc de base, tout simplement, qui va vous permettre de faire un petit peu de dégâts. Malheureusement aujourd'hui, pour ceux qui voulaient que je rentre dans le détail des skills du personnage, je ne vais pas le faire car vraiment il y a énormément de reviews sur le personnage. Je pense que tout le monde doit maîtriser Evil Saga, quoi qu'il arrive, RC ou non RC. Voilà, c'est pas un personnage très compliqué à jouer, il demande beaucoup de tomes de compétences, mais le champ d'honneur va pouvoir venir vous aider. Malheureusement, le personnage aujourd'hui possède tellement de contres qu'il n'en est plus du tout méta. Il est rigolo à jouer de temps en temps, toutes les 3 rotations en GD, comme ça votre adversaire ne le voit pas venir et ne l'anticipe pas forcément. Par contre, en contre, il y a Hypno Cersei qui vient d'arriver, vous avez Athéna, vous avez également Ulysse du Serpenteur qui a encore beaucoup joué aujourd'hui, vous avez Chion sur Plisse avec le bouclier, il peut vraiment se faire de gros dégâts dans la tronche et mourir. Quoi d'autre derrière? Il y a vraiment tellement, il y a Yoga God Claws, il y a Poséidon, il y a tous les personnages qui vont venir le contrôler, le Freeze. Il y a trop de personnages qui le contrent. Voilà. Malheureusement aujourd'hui, le personnage n'étant plus du tout méta, il reste que fun à jouer. Vous alliez me poser la question, de toute façon avec quel cosmo je joue mon Evil Saga? Très rapidement, je lui ai mis le set de mon Thanatos à part pour le cosmo central. Donc du coup, Evil Saga est équipé de branches avec subattribut attaque P pour les 3. Derrière, des perles de Naga, double vol de vie avec une spécifiquement avec un peu plus d'attaque P. Je voulais vraiment atteindre les 14 000 d'attaque P, mais j'y arrive pas encore. Serpent à 2 cornes qui est vraiment le cosmo central du personnage. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, vous devez jouer votre Evil Saga de cette façon-ci. Et pour terminer, des ténacités, ça peut surprendre, mais pourquoi? Parce que j'avais pas mal de sub-attributs attaque P. Donc du coup, j'ai mis un petit peu ce que j'avais sous le coude. Up derrière, en stade général, j'ai 83 814 points de vie, 13 919, j'ai pas encore atteint les 14 000 d'attaque P. Derrière, en vitesse 120, donc la vitesse vraiment pas du tout primordiale sur le personnage. Par contre, ce qui est très important, c'est le niveau crit P. Il est à 1100 pour moi, Evil Saga, effet crit P 42,24%. La chance de statut va jouer son rôle avec son skill 1. Vous allez avoir peut-être une chance d'aggro en utilisant le skill, enfin le seul skill actif du personnage, vous me direz. Donc vous avez une petite chance, voilà, va falloir que j'augmente un peu la chance de statut, mais c'est vraiment pas primordial. Si vous pouvez augmenter, c'est mieux, mais sinon c'est vraiment pas une priorité. Et bien sûr, pour bien regarder à la fin, le vol de vie, 32,45%, il faut vraiment un maximum de vol de vie, histoire que Evil Saga puisse se soigner quand même en attaquant. En parlant de fun, c'est parti, on va regarder quelques matchs en GD avec notre cher Evil Saga, et vous allez me dire en commentaire à la fin de la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez. On va venir commencer ce premier combat, vous allez voir, ça va aller très vite. Mon adversaire va rage quit assez rapidement, GG à lui quand même, mais c'était perdu d'avance. Hop, c'est parti, j'ai relancé le jeu 2 fois parce qu'il y avait des problèmes de bug de son, bref. Je joue l'équipe que je vous ai présentée tout à l'heure, on va mettre en x1. J'ai boosté avec mon Doko GC et mon Evil Saga que j'ai directement camouflé pour éviter qu'il vienne me le chercher avec Minos. Derrière, il m'a forcé à mettre un petit coup blanc, voilà.
Je mets un bouclier sur Saori pour la protéger. Lui, il met un bouclier sur son... j'allais dire chion, sur son Shura Surplice. Et là, Evil Saga est parti. Vous avez vu, c'est le fight. Il rigole. Et là, bim, bam, boum. Il n'y a plus de côté double tour saignement. Et mon adversaire a donc décidé de quitter au même moment. Nous allons faire un combat Evil Saga versus Evil Saga. Qui va gagner? Bah là, c'est un petit peu au bonheur la chance par rapport à la vitesse. Donc du coup, là, dans cette équipe-là, j'ai gardé la même équipe que tout à l'heure. Donc du coup, avec mon Doko GC qui va me permettre de booster mon Evil Saga. T1, tout le temps, je camoufle Evil Saga. On sait jamais. Qui sortent l'âme, qui prennent le contrôle, etc. Et tout, c'est vraiment le point clé de cette team-ci. Il met le bouclier sur son Orphée RC. Je mets les soins, hop. Je mets un bouclier sur Alba Fika, parce que oui, Alba Fika va subir les coups du Evil Saga adverse. Il va partir direct. Là, il va dépenser pas mal de points d'énergie. Hop. Il continue, il frappe, vas-y, vas-y, tap, tap, tap. Ça se joue à un poil de Westcrow, mais pas loin. Il me l'achève avec son Aldébar en GC. Aldébar en GC lance la sauce. Hop, ça continue. Ça continue. Hop, on va mettre en x2. Donc là, le Orphée qui s'active. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est le Evil Saga versus Evil Saga. Donc là, il a tapé. Donc déjà, T1, j'ai terminé le Aldébar en GC. Evil Saga, il avait encore faim. Il est parti sur le Doko GC. Il booste son Orphée RC. Il prépare le petit Radamante. Je mets un coup blanc. Il met un coup blanc. Et mon Evil Saga part en premier. Et bim bam boum. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus d'Evil Saga en face. Donc là, je mets un coup blanc. Je mets un deuxième coup blanc, vu que j'avais doublé, histoire de lancer les dragons au prochain tour. Donc là, je prends de gros dégâts quand même. Le soin qui pop. Une petite raise sur Alba Fika. Hop, un petit coup blanc. Là, le débat en GC qui tape. Evil Saga qui décide de partir au lieu d'aller sur le Aldébar en GC, il part sur le Orphée. Donc ça, c'est magnifique. Il lui reste un poil de points de vie. Je double le Evil Saga pour aller chercher le Orphée. Donc là, il envoie la salve avec Radamante. Et là, on va chercher le Orphée. On essaye. Un poil de cul, ça passe pas. On continue et on va perdre Evil Saga, à mon avis, à ce tour-là. Hop, on va mettre en x3. On balance les dragons. Mon erreur, ça a été de doubler Evil Saga. Hop, le saignement qui fait son boulot. On continue. La petite raise qui part. Encore un petit bouclier. Il me fait de gros dégâts quand même. Hein. Il tape fort. Je double le Doko GC. Mon but là, c'est de lancer un maximum de saignement. Il renvoie une salve. On envoie les dragons deux fois. En espérant que Doko tienne. Les dragons qui partent. Pas mal de dégâts. Vous avez vu la vie qu'il a repris quand même, le Orphée? C'est assez impressionnant. On continue, je baisse juste un peu le son du jeu. Et là, voilà, débarrassé du petit Orphée qui m'embêtait. Mais franchement, une game Evil Saga versus Evil Saga, c'est assez rigolo. Donc là, il fait ce qu'il peut pour essayer de terminer mon dernier DPS. Mais malheureusement pour lui, j'ai mis une reste de Saori. Faut que Saori meure, là. C'est très très important de la garder en vie. Il prend les saignements, on renvoie une nouvelle fois les dragons. Et là, il reste un point de vie. On essaie de terminer à fond le chion surplis pour qu'il disparaisse. Hop. Il a disparu. On met un petit coup blanc et c'est fini. Allez, un petit dernier gameplay avant de vous laisser. Avec un Evil Saga en difficulté face à une Athéna. Mais Athéna ne ralentit, enfin ralentit Evil Saga, mais ne le contre pas totalement. Donc là, c'est Athéna qui lance la zone, et elle met un coup blanc, c'était sûr, histoire de vider mes points d'énergie. Heureusement que Doko GC est là pour m'en donner deux supplémentaires.
Là, Athéna meurt au combat. Et derrière, en fait, ce que je dois me méfier, vraiment, c'est de son Orphée. Son Orphée, vraiment, c'est le principal DPS qu'il va avoir. Donc, du coup, il va le protéger au maximum. Et à moi d'aller venir le chercher assez rapidement. Je protège mon Evil Saga dans l'espoir de me dire que en le doublant avec Shun Hades, je vais pouvoir casser le bouclier et lui lancer la Black Hole Explosion. Donc, du coup, je prends un peu de soin. Je double le Evil Saga. Premier coup blanc sur le Orphée. On casse le bouclier très prochainement. Voilà, le bouclier étant cassé avec les retours de dégâts. On met un coup blanc et là donc du coup on arrive à lui mettre ridicule. Le Evil Saga est pas passé loin et la Black Hole Explosion pardon, arrive et termine donc du coup le Orphée. Donc là il va mettre un coup blanc à chaque fois dans le n'importe quel perso, c'est juste pour faire propre mon Evil Saga. Voilà, ça tape, ça tape, ça tape, on fait pas de dégâts, on se régénère pas beaucoup les points de vie. Là, il comptait sur son Alba Fika, je pense, pour jouer saignement et de faire durer le combat pour que tous mes personnages meurent un par un. On met une petite raise sur le Evil Saga, on continue à le protéger. On continue. Encore un coup blanc. On double le Doko pour préparer les saignements. Et là, tour par tour, on va venir lui péter un personnage. Et ça, c'est vraiment très intéressant avec Evil Saga. C'est que vous pouvez quand même contrôler indirectement votre adversaire. Mais je répète, le personnage n'est plus du tout méta aujourd'hui et même assez difficile à sortir. On remet un petit coup de soin. Un petit bouclier sur Doko qui va rester mon principal DPS. On envoie la sauce. Il envoie la sauce dans ma Saori. Je pense qu'il avait oublié que, clairement, la cage de chien sur pli ne bloquait pas les soins de Saori, vu que c'est des soins de zone. On double Doko, un petit coup blanc, ridicule qui passe, la Black Hole, hop, première vie du chien, éliminée. L'Athéna qui disparaît, on lance les dragons. Deux fois. Si l'adversaire dépense pas plus de points d'énergie que moi, malheureusement, je vais devoir avoir un Doko GC bloqué au prochain tour. Ça, faut vraiment faire attention à ça. Les dragons, encore une nouvelle fois. Les saignements qui passent. Un petit coup blanc. Là, il va m'envoyer la sauce. Dans le Doko. Et vice versa. Sur mon Evil Saga. Et malheureusement, il meurt pas. Donc là, il met plein de patates Evil Saga. Regardez, il a plus de vie. Et d'un coup, il a disparu. Et il est parti directement se mettre sur le Alba Fika adverse. Le Doko qui meurt des saignements. Le Alba Fika qui essaie de se défendre sur le Alba Fika. Pas assez de dégâts. Le combat étant presque terminé. Vous avez vu les saignements, ils ont tué mon Evil Saga. Je bloque. Et là en fait dès qu'il va jouer, bah il a perdu quoi. Donc là on envoie tout ce qu'on a. Petit coup blanc. Là c'est chaud parce que j'ai beaucoup de saignements donc faut faire très attention. Il envoie un coup blanc et là Evil Saga va venir le terminer. Voilà, j'espère que cette vidéo retour aux sources Evil Saga vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est toujours au référencement. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Wescros, passez une excellente journée. Salut la famille, ciao ciao.